tunnel carpien. Je suis Chérie du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je fais une vidéo pour faire suite à la première vidéo sur la mobilité des poignets qui était assez basique mais qui était idéale pour toutes les personnes qui étaient vraiment comme sorties d'une fracture par exemple, sorties du plâtre. Donc aujourd'hui on va aller faire des exercices un petit peu plus, on va dire, difficiles. Enfin, vous pouvez avoir besoin soit d'être assis ou debout pour les premiers exercices. Ça peut être aussi fait accoudé sur une table. Parfois, ça permet de mieux mobiliser ou plutôt de mieux isoler les poignets. Moi, je vais utiliser ça, comme ça vous allez mieux voir mes exercices. Donc, on va commencer tout simplement. Imaginez que vous avez vos coudes sur la table. Ici, j'ai ma coude sur mon coussin. J'ai les épaules bien dégagées, le dos bien long. Puis je vais tout simplement fermer les poings, le pouce vers le haut, donc le pouce par-dessus. Et on va faire des rotations des poignets. Donc si vous avez une fracture depuis peu, vous pouvez juste travailler sur un seul poignet. Donc je vais faire par exemple le poignet droit, mais vous pouvez faire les deux poignets en même temps. De toute façon, souvent on manque de beaucoup de flexibilité des poignets. Je le vois parce que dans mes cours, les gens à quatre pattes ont énormément de difficultés. Puis je vais continuer de diffuser des vidéos pour justement que vous soyez facilement capable d'être à quatre pattes sans aucun souci. On change le sens de notre rotation. Prenez vraiment le temps de bien faire vos rotations. Si vous avez un poignet qui est en ce moment en rééducation, peut-être que vous pouvez même attraper votre poignet, ou plutôt votre avant-bras, pour pouvoir bien mobiliser votre poignet et aller chercher une vraie rotation. Super. Maintenant, vos poings sont fermés. Vous allez les amener vers le haut au maximum et vers le bas au maximum. Je fais un coup, j'ai mon poignet qui va aller vers le haut au maximum et un coup vers le bas au maximum. Oui, ça peut être douloureux et difficile. Prenez votre temps. On va en faire une quinzaine encore. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, je vais chercher le maximum. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va rajouter un exercice pour assouplir aussi les doigts, parce que parfois quand on a les poignets qui sont comme tendus, qu'on a des problèmes, ça va jusque dans nos doigts. Fait qu'on va aller chercher à la mobilisation aussi de nos doigts. Fait qu'ici, on va avoir commencé avec les poings, les bras ouverts, les doigts ouverts vers le ciel, les paumes de main vers moi. Et tranquillement, on va aller enrouler une phalange à la fois de chaque doigt, jusqu'à fermer nos poings, et on va dérouler une phalange à la fois vers le ciel. C'est un peu comme un petit minou qui rétracte ses griffes vers... mon chat, il fait ça sur mes cuisses, là. Ou il fait ça sur la couverture. Fait que c'est exactement la même chose. Il va aller vraiment chercher une phalange à la fois, et une phalange à la fois, je fais la rétraction et l'allongement et l'étirement. Allez, on continue, ça peut être un petit peu désagréable et difficile. Il y a toujours une main qui est plus difficile que l'autre. Donc c'est vrai que si vous avez une fracture, c'est sûr que c'est celle de la fracture, bien que ça peut être aussi celle que vous utilisez beaucoup, par exemple pour l'ordinateur. Ce sont des excellents exercices si vous avez des soucis au niveau de votre tunnel carpien. Allez, on y va encore pour 5. Et on va aller plus vite pour les 4 derniers. Hop. 3, 2 et 1. On ferme les poings et on ouvre les paumes de main ici. On va aller maintenant chercher un déroulement complet. Donc au fur et à mesure, je vais commencer d'abord par le pouce, puis progressivement, je vais aller chercher à étirer au maximum. Je vais vraiment faire un étirement maximal de mes poignets pour envoyer mes doigts très ouverts vers le plancher. Et je vais commencer par le petit doigt, puis enrouler un doigt à la fois. Et là, je vais faire une flexion maximale de mes poignets, de mes poings vers moi. Et je continue. Je commence d'abord par les pouces, puis j'y vais un doigt à la fois et j'étire au maximum. Puis j'enroule. Donc j'ai beaucoup de misère à enrouler les petits tout seul, hein, vous le voyez, mais c'est ça que je veux. Je veux vraiment aller un doigt à la fois. Good. Et on reprend encore. On enroule tranquillement. Et on referme vers soi.
Et on déroule tranquillement avec extension totale. Allez, encore une fois. Et on referme. Si vous voulez plus de vidéos sur les poignets, eh ben, faites-moi un petit like ou envoie-moi un petit commentaire pour me dire oui, plus de vidéos, plus d'exercices, des nouveaux exercices, j'en ai plein, fait que faites-le moi savoir. Allez, on est parti une dernière fois. Okay. Pour le dernier exercice, je vous propose de faire ça vraiment avec un mur, c'est mieux. Ça va vous aider aussi à voir et à visualiser. Alors, j'ai mon bras bien tendu, mes épaules dégagées, donc ça va travailler beaucoup de choses en même temps. Et je vais tout simplement pousser ma paume de main en direction du mur, étirer mes doigts vers le ciel, mais toujours avec le mur, et descendre mon épaule au maximum. Donc je vais faire une poussée et je relâche. On continue. On va pousser et relâcher. Maintenant, je vais tout simplement glisser ma main pour que mes doigts aillent vers là, puis inversement au maximum vers l'arrière. Et je continue en glissant. Donc je vous le montre sans mur. Vous pouvez le faire bien sûr sans le mur, mais vous pouvez commencer avec le mur, ça peut bien vous aider à sentir le mouvement. Donc, j'ai les doigts ici, vous allez mettre une poussée des paumes de main en direction du mur, les épaules bien dégagées, le menton un peu rentré, les épaules basses. On garde la position, on pousse les doigts, on pousse la paume de la main vers le mur et tranquillement on fait une rotation maximale dans un sens et dans l'autre. Donc quand vous l'avez bien compris avec le mur, vous pouvez commencer à le faire sans le mur, mais allez chercher un maximum d'extension, ça sûr c'est très dur, c'est très désagréable, et même si c'est un seul poignet qui vous fait mal, cherchez les deux, parce que comme je vous dis souvent dans mes cours, les gens en position de quadrupède, donc à quatre pattes, ont énormément de misère et ils sont toujours à arrêter les exercices parce que leur poignet leur fait mal. Donc renforcement des poignets, des muscles des poignets, tout aussi en les étirant. Donc aussi on fait du renforcement mais on est dans l'allongement, donc ça va vraiment nous aider. Super! Et on relâche. Magnifique. Voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, merci de donner vos commentaires ou si vous avez des questions. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je pourrai continuer à faire des exercices pour les poignets, améliorer et assouplir. Merci et à bientôt.